اشتراككم في القناة مدعاة لمزيد من الإبداع والعطاء. السلام عليكم إخوان الطلبة والتلاميذ والمتدربين، مرحبا بكم في درس جديد من دروس المحاسبة العامة. في الدرس الماضي تطرقنا إلى مبدأ لو برينسيب ديال لا بارتي دوبل، دونك on a déduit que chaque enregistrement comptable implique l'utilisation d'un compte de situation soit de l'actif ou de passif et en contrepartie l'utilisation d'un autre compte du compte de gestion soit la classe 6 ou la classe 7. Titre d'exemple permettant بالنسبة لي زاشات مارشانديز كنديرو لي زاشات مارشانديز في الدي بي كنديرو الفورنيسور في الكريدي بلو ميم مونطون دونك ان كونت دو سيتياسيون اي ان كونت دو جيستيون. بالنسبة لا فونت دو مارشانديز غنديرو فونت دو مارشانديز في الكريدي وفي الدي بي غنديرو كليون بلو ميم مونطون يعني توجور اون في موفمونتي دو كونت ان كونت دو سيتياسيون اي ان كونت دو جيستيون. بالنسبة للكور نشوفو لي زوطخ برانسيب كونطابل فوندامونتو، عندنا سات برانسيب كونطابل فوندامونتو كون دوا ريسبكتي بور اتاندر ليماج فيدال. قلنا بأن لونتربريز او سان دو سون انفيرونمون اونتروتيان دي غولاسيون افيك سوا ليتا سوا لي ميناج سوا لو ريست دو مونت سيدير ليكستيريور سوا افيك سي سالاريي. Donc pour atteindre l'image fidèle, l'entreprise doit respecter, en plus de principes de la partie double, les principes comptables fondamentaux. Donc le premier principe, c'est le principe de la continuité d'exploitation. Selon ce principe, l'entreprise est supposée établir ses états de synthèse dans l'hypothèse d'une poursuite normale de son activité. L'entreprise, durant toute sa vie, va respecter un certain nombre de concepts et de principes. L'image fidèle, on va voir le surah al-mutla, on va voir le surah ou le consommateur musdalikin. Donc, ici, on va prendre un exemple. Le principe de la continuité d'exploitation. Imaginez bien la société anonyme matin et peut-être aussi telle ceux de CNM, Flavidia. Une machine de valeur d'origine égale à 10 000 dirhams, amortissable sur 10 ans. Donc, elle ne fait l'actif immobilisé. Elle a 10 000 dirhams, donc, même si j'ai là, la valeur d'entrée d'elle à 10 000 dirhams, amortissable sur 10 ans. يعني ندخلو لامورتيسمون يعني التأكل يعني لا دوري دو في ديال هاد ليموبيليزاسيون 10 سنين غادي دوز مثلا في لو باتريمون دو لونتربريز. دونك عندنا دو كا ليبوتيز دو كونتينيتي في حالة مثلا بأن لونتربريز عندها استمرارية في النشاط ديالها دونك سا فالور ديال هاد ليموبيليزاسيون إتيكال أ لافينا سيتادير لا فالور نت d'amortissement ou bien la valeur nette comptable. La valeur nette comptable, elle est égale à la valeur d'origine, la valeur de l'immobilisation, moins les amortissements. Il y a une colonne qui est l'amortissement mondial, l'annuité d'amortissement. Donc la V est égale à la valeur d'origine moins l'annuité d'amortissement, c'est-à-dire 10 000 moins l'amortissement qui est égal à 10 000 fois 10% est égal à 10 000 moins 1000. C'est-à-dire 9000 dirhams. Donc, 9000 dirhams qui va figurer sur l'actif de l'entreprise. Le bilan de l'entreprise, on a de la machine, elle a une valeur d'origine 10 000 dirhams, moins l'amortissement 1000 dirhams, et la valeur nette comptable, c'est 9000 dirhams. Dans le cas contraire, l'hypothèse de non-continuité, donc la valeur de la machine, elle ne sera plus 9000. Elle a une valeur inférieure à 9000. Elle sera 6000. Une valeur inférieure à 9000.
Le deuxième principe, le principe de la permanence des méthodes. Selon ce principe, l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant toujours les mêmes méthodes d'un exercice à l'autre. Dans des cas exceptionnels, l'entreprise doit modifier ses méthodes qui doivent être mentionnées dans l'éthique. Ainsi, on peut évaluer un bien selon trois formes. La valeur d'entrée, yani la valeur d'origine, une mobilisation, la valeur d'origine d'Yala, depuis son entrée dans le patrimoine. La valeur actuelle, yani je vais être sur le marché, ou bien la valeur comptable nette, et il y a la valeur qui figure au niveau du bilan, c'est-à-dire la valeur d'origine, la valeur d'origine moins l'amortissement. Il y a la valeur comptable nette, ou là, la VNA, la valeur nette d'amortissement. Donc, d'après le principe de permanence des méthodes, et de maintenant, la méthode est dans plusieurs exercices, et nous allons maintenant l'exercice N plus 2, la plus 3, et on change la méthode. Donc, on a un exemple, maintenant, il y a une entreprise, une cimenterie, je n'ai qu'à l'écran, je mets l'isment, mais je vais te dire un sac de ciment, et que tu as le coût de revient, tu peux faire, je mets l'aide, le franchise de ciment. Donc, il y a que tu as le coût complet. Donc, le principe, c'est que l'entreprise, pour déterminer le coût et le prix de vente d'un sac de ciment, il se base sur le coût complet. Et tu peux le faire, je mets l'air. Si, par exemple, durant exercice N plus 3, l'entreprise décide de changer cette méthode, et notre chalik a dit que la tariqa a dit que tu peux le faire, je mets l'air, on va te mettre là le coût direct. Donc, c'est un changement de méthode. Dans ce cas, le changement, il doit être mentionné dans l'éthique des informations complémentaires. Une fois l'état des informations complémentaires, qui est un état parmi les états de synthèse, il y a la partie qui est bien fait le changement des méthodes. On va passer maintenant au troisième principe, le principe du coût historique. L'entreprise doit maintenir les éléments actifs et passifs inscrits dans sa comptabilité à la valeur d'entrée jusqu'à cession ou le retrait du patrimoine. Donc le même principe, c'est les immobilisations. Il y a une immobilisation qui a la valeur d'origine de l'actif jusqu'à la cession. Donc, ou bien le retrait, soit il y a maintenant l'immobilisation. Donc on va procéder à un certain nombre de retraitements. Ou là le retrait, il y a une mabanache. Donc la même chose, il y a le coût historique, mais il y a quatrième, le principe de spécialisation des exercices. Ou là, le principe d'indépendance des exercices. Dans ce cas, les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne. Le principe, parce que je n'ai pas les exercices, les charges de l'exercice N, parce que je le faire les charges de l'exercice N. Et là, il y a une autre charge qui ne le concerne pas, et qui est l'exercice N plus 1, l'exercice N plus 1. Et là, l'opération, les écritures de régularisation, qui est la fin d'inventaire, la fin d'exercice, au 31-12-N. Alors, un exemple. Paiement et comptabilisation d'une prime d'assurance d'un montant de 20 000 dirhams, le 1-10-N. Donc le 1-10-N, j'attends la pièce justificative, relation à la prime d'assurance via 20 000 dirhams. Au 31-12-N, on fait une écriture de régularisation en tenant compte que le montant correspondant à 3 mois. Donc 20 000 dirhams, relation à le 1-10-N. La prime d'assurance, il concerne une partie de l'exercice N, ou l'autre partie, il concerne l'exercice N plus 1.
La partie concerne l'exercice N fait rester le charge. La partie restante, elle concerne fait ce charge d'elle l'année N plus 1. Donc, c'est les écritures comptables. Le 1, 10 N, on a enregistré l'écriture prime d'assurance pour le montant d'elle 20 000 dirhams. On fait le 31, 12 N. Quand on a les écritures de régularisation, on va faire la régularisation de cette écriture. Donc, à chaque fois, on a un étébal, on a un matin, il y a 3 mois. 20 000 dirhams fois 3, divisé par 12 mois, est égal à 5 000. Donc, on doit rattacher à l'exercice N uniquement le montant de 5 000 dirhams. Le reste, c'est-à-dire 9 mois, il y en a 20 000 fois 9, divisé par 12, est égal à 15 000. Indicateur que l'exercice N plus 1, il constitue une charge constatée d'avance. Cinquièmement, le principe de prudence. L'entreprise doit comptabiliser les charges dès qu'elles sont probables. Les produits ne sont comptabilisés que s'ils sont certains. Le principe de l'ihtiyat. الشركه كتسجل مثلا لي شارج اون فوا كيل سون بروبابل يعني غير كيكون محتمل يعني نخلصوا لا شارج او لا ان ريسك ايتترا اون دو لو كونتابيليزي واخا ما يكونش محقق بالنسبه لي برودوي لاكس انتربريز دو انجستري لي برودوي كو سيل سون سيرتان ان كانوا سيرتان يعني محققين مثلا فونت تسجل كوم فونت دونك بالنسبه لهذا لو برينسيپ دو بريدونس je fais les travaux de fin d'exercice. Alors, comme un exemple, le client matin qui a sauvé la valeur d'elle, le montant d'elle, 30 000 dirhams. Voilà qu'on va récupérer uniquement les deux tiers, c'est-à-dire 20 000 dirhams. Il y en a dire que ça n'a rien fait 20 000 dirhams. Ou des cas de 20 000 dirhams, donc, dans ce cas, on constitue une provision. On a de la provision. C'est une charge non décaissable. C'est une charge, on va dire, très lourde. Mais l'estimation de la nature, on va dire, très lourde. On a besoin de les charges, on a les charges de la réduction, mais le résultat. Donc, on a besoin des travaux de fin d'exercice. Sixièmement, le principe de clarté. Ce principe exclut toute compensation entre les éléments d'actif et du passif d'une part et entre les charges et les produits d'autre part. Ils doivent être évalués séparément. C'est là l'exercice de la clarté, la shaffafia. Parce que je dis maintenant la compensation de deux actifs entre les éléments d'actif et du passif ou là les produits et les charges. Titre d'exemple, on met la TVA collectée et la TVA récupérable. TVA collectée, elle dit qu'on fait la classe 4, ou TVA récupérable, qu'on fait la classe 3. TVA collectée, maintenant il est bête, en tant qu'entreprise bête. Une autre entreprise ou un consommateur, c'est-à-dire vente de marchandises, c'est-à-dire TVA collectée. Et quand je me dis TVA, je vais dire l'État. Deuxième cas, un achat. Donc, on dit achat de marchandises en débit, ou TVA récupérable en débit. Et là, je récupère bien, je vais faire un stagiaire. Donc, je vais dire la compensation. Il faut être le compte, il faut être le compte. Le deuxième cas, les plus-values. Plus-values et les moins-values réalisées sur session d'immobilisation. Donc, je vais dire la compensation. Les plus-values mettent une table d'IEL. Les plus-values, moins-values des immobilisations. Les plus-values, c'est qu'on fait la colonne. Les moins-values dans une autre colonne. Donc on ne doit pas faire la compensation. Un autre exemple, les créances et les dettes d'un même tiers. Il y a une autre chose, il y a une autre chose, qu'on fournit sur le client en même temps. Donc maintenant, je dirais la compensation, mais bien les créances et les dettes. Donc un autre exemple, l'exemple d'IEL, maintenant, client. On a qu'un bien, le client, qu'un bien, les marchandises. Ou qu'on a maintenant les emballages. Je vois le chiffre d'achat des emballages. Donc, un compte client, sur la classe 3, au client, emballage, client, dette pour emballage
consigné. Donc, le client en même temps qu'il fait 3 ou le client là fait 4. Client comme créance et client comme dette. Donc, on ne doit pas faire la compensation. Là, écriture fait le compte là. Donc, le dernier principe, c'est le principe de l'importance significative. L'entreprise doit donner une bonne information comptable, quantitative et qualitative aux utilisateurs de ces états de synthèse. Ces documents doivent être significatifs afin d'influencer les lectures de ces documents sur le patrimoine et la situation financière de l'entreprise. Donc, les écritures là, au niveau de la comptabilité, ce sont des informations soit au niveau de la quantité, au niveau de la qualité. Les principes, c'est d'arriver à une image fidèle envers le patrimoine de l'entreprise. Et on va posséder des informations à la fois quantitatives et qualitatives. Les informations. Donc, on va prendre des exemples ici. C'est l'importance significative. Des immobilisations, des machines sous-utilisées dans l'entreprise. Donc, dans ce cas, l'entreprise peut changer le plan d'amortissement. Il y a un amortissement de 20%. Voilà qui n'achète l'activité de l'entreprise. On a des immobilisations proches de l'immobilier. Donc, on a le plan d'amortissement. Voilà qui a le changement et doit figurer au niveau de l'éthique. Un autre exemple, l'exercice comptable. L'exercice comptable, quand on cumule le 31, 12 matin, n moins 1. Voilà qui était prévu 3 mois. Dirons-nous moins n. On va faire dans lequel on fait des régularisations, etc. La clôture de l'exercice ne se fait qu'au 31-3 de l'exercice N. N est le jour, une bête, le 31-12. Le mois de février, on va faire la dévaluation. Donc, on a une influence sur les dettes, mais à l'étranger. تأثير ديال انخفاض القيمة عنده تأثير إيجابي بالنسبة للصادرات ولكن عنده تأثير سلبي بالنسبة للواردات هنا يعني هنا عندنا الواردات يعني دي فورنيسور كيتسالنا مثلا 10000 درهم غترتفع هذه القيمة هذه تولي مثلا 20000 درهم تيتر ديكزومبل دوزيمون لو كونسيبت دو ليماج فيدال لو كونسيبت دو ليماج فيدال سي ان تيرم انجلو ساكسون To and fair view, c'est-à-dire l'image vraie et honnête. Il y a des gens qui ont l'établissement des états de synthèse. Il y a des gens qui ont l'image fidèle. Assura, al-mutla, tujah, shuraka, tujah, al-mustahlikin, tujah, al-dawla, tujah, maintenant, l'extérieur. D'après l'article 11, les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que la situation financière et les résultats de l'entreprise. À cette fin, ils doivent comprendre d'autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que la situation financière et les résultats de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée, au présent, article, des informations complémentaires doivent être données. Donc, parce que l'on a une image fidèle, on doit respecter les principes comptables fondamentaux. Donc, quand il y a un changement, on a une image fidèle, et on a un problème, le respect des principes comptables fondamentaux, donc on doit faire une révision. Je vous finis qu'il y a un problème. Donc, à chaque fois, il y a un schéma. Donc, هذا الشيما كيبان لنا كيفاش كنوصلوا ليماج فيدال اللي كدير مثلا الشركه تكون عندها صوره مثلى تجاه لونفيرونمون ديالها عن طريق التطبيق ديال لي برينسيپ كونطابل فوندامونتو دونك بروميرمون اون ا ريسبكتي لي برينسيپ كونطابل فوندامونتو يعني درنا لي زيتا دو سينتيز لو بيلون
et le CPC, l'état de solde de gestion, tableau de financement. C'est une image fidèle, donc. Une image fidèle, donc c'est fin. Sinon, on va vérifier les états, les états de synthèse. Comme on a fait les écritures, les 12 matin, les états de synthèse ou l'image fidèle. Donc, on a fait les écritures, la correction, etc. Donc, on a fait l'image fidèle. Donc, c'est fin. Ok. لكن ما الخلل مثلا مازال الخلل القائم غنمشيو ليتيك شنو نديرو بالنسبه ليتيك كنشونجيو جا جا في مثلا لي برانسيب تاع نشونجيو مثلا بحال لو كو ايفالياسيون دو كو دو ريفيان مثلا دونك اون دو شونجي لا ميثود الى شونجينا لا ميثود اون دو لا مونسيوني دون ليتيك تاع دي انفورماسيون كومبليمونتير. Donc, on a l'image fidèle, donc c'est fin. Et maintenant, l'image fidèle, on va revoir, donc on va reprendre à zéro. Donc, on doit respecter les principes comptables fondamentaux. Donc, comme c'est bien, le troisième stade est un cas qui doit rester exceptionnel et rare. L'entreprise qui n'arrive pas à donner une image fidèle de sa situation au bout du deuxième stade. Et le deuxième stade, c'est qu'on a des erreurs, les écritures. Il y a toutes les écritures, quand on sent l'image fidèle. Sinon, donc, le troisième stade est un cas qui reste exceptionnel. C'est une entreprise qui n'arrive pas à donner une image fidèle de sa situation au bout du deuxième stade, doit déroger à un des principes comptables fondamentaux. Cette dérogation doit être justifiée dans l'éthique, avec l'indication de son influence sur le patrimoine et la situation financière de l'entreprise. C'est qu'on mentionnait dans l'état des informations complémentaires.